Bon les amis, cette nuit, il faut quand même que je vous raconte cette nuit. Parce que rien ne va. Rien ne va. Je vous explique. Je mets au lit Julien et Adrien ensemble dans la chambre de Bastien, d'accord? Jusque-là, tout va bien. Sauf que Adrien, passage, donc Adrien... Dans son lit. Donc Adrien part dans son lit. Ok, donc finalement, Julien et Adrien quittent la chambre de Bastien. Julien reste tout seul dans le lit de Bastien et Adrien va dans son lit. Jusque-là, bon, ça va. Benoît et moi, on va se coucher avec Bastien qui est en cododo, donc il dort en cododo, donc quasiment avec nous. Dans la nuit, très rapidement, Julien, hop, se réveille. Donc, premier réveil, il arrive, il pleure, nanana. Donc, on le met dans notre lit. Donc là, on se retrouve très rapidement encore. Adrien arrive à son tour. Adrien arrive, sauf qu'Adrien ne dort pas dans notre lit. Donc, du coup, papa, il va avec Adrien. Papa s'endort avec Adrien. Donc, moi, je suis avec Julien Bastien dans mon lit et papa Adrien dans le lit de Adrien. Ok. Sauf que, à un moment donné, je me réveille. Et là, je vois Adrien, Julien dans mon lit. Avec Bastien, évidemment, toujours lui, il ne bouge pas. Oui, ça te fait rire. Et donc, je me dis, mais où est papa? Donc là, je cherche partout et papa est dans la chambre d'Adrien. Ok, donc en fait, papa a dû déranger Adrien dans la nuit. Donc Adrien est venu nous rejoindre, nous, dans notre lit. Et sauf que là... Non. Donc ça fait que, au final, tout le monde a changé de lit. Tout le monde sauf moi. Tout le monde a changé de lit. Même Bastien, au final. Pikachu. Parce que c'est normal. Pikachu. On commence dans une configuration, on termine. Voilà, voilà. Vous dire que... Pikachu! Pikachu! Maman, regarde Pikachu! Je sais plus quoi faire, Jojo. Je sais plus quoi faire. Maman, regarde Pikachu! Jacques! Pardon! Jacques.